Depuis quand êtes-vous membre? Depuis 1985, c'est-à-dire 36 ans maintenant. Pourquoi êtes-vous membre? À l'époque, je commençais mon clinica en réanimation et j'avais besoin de voir ce qui se passait au niveau de la réanimation en France, ailleurs, participer, communiquer, échanger avec mes collègues. Que cela vous apporte-t-il d'être membre? Eh bien justement, ça m'a donné la possibilité de communiquer quelques éléments de ma recherche, d'apprendre beaucoup d'éléments d'autres réanimateurs, d'échanger avec eux et de pouvoir aussi avoir une vie sociale spécifique au monde de la réanimation. Avez-vous participé à des commissions de la SRLF? Oui, j'ai participé il y a maintenant longtemps à la commission scientifique qui préparait le congrès de la SRLF, c'était il y a une trentaine d'années. Avez-vous déjà été secrétaire d'une commission? Je n'ai pas été secrétaire d'une commission proprement dite, j'étais secrétaire général de la SRLF il y a une vingtaine d'années, et je suis depuis 2011 rédacteur en chef, donc éditeur en chef, du journal Annals of Intensive Care, donc qui est un journal de langue anglaise, uniquement électronique, qui a grandi depuis une dizaine d'années pour maintenant atteindre un bon niveau de reconnaissance de la part du monde de la réanimation, non seulement au niveau national, mais surtout au niveau international.